Alors? Allô, 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 allô. Alors? Non. Oui. Non. Bon, eh bien. Comment? Blablabla, on l'a déjà dit ça. Oh. Oh, on l'a déjà dit ça, allô. J'aurais pu rajouter une page dans les vannes. Oh! Un petit singe! Bah, il est cramé. Qu'est-ce qu'il se passe? What? Alors. C'est toi qui fais le singe. Akiri, ok! Ouh, ah, ah, ouh! Je ne suis pas coursier. J'arrive pas à me rappeler si nous sommes déjà rencontrés. Dalarama vient de finir son jeûne, alors désolé pour les saturations potentielles. Hein. Ah ça sature fort là, oui. Kyu Ikiruki. Et il voudrait te rencontrer. Ukro Ukro Kaiuke. Il est à l'ouest du désert, d'une poussière. Ah oui, c'est vrai, il y avait ce mec. Kiko Ukiko Ukeke. Dans une grotte pleine de singes. Kokiu Ukeki Kuaki. Je vais me téléporter là-bas. Hey, hello, Spider Freak Sonia. À plus tard. Hello. How are you? I hope you're fine. Ok, donc le singe s'est téléporté. Oh mon dieu. Ça n'a pas de sens. Bim. Oups. Crac. Zut. Bonjour. C'est la classe économique d'Escargot Express. Je suis crevé, j'arrive tout juste des déserts d'une poussière. Il y avait ce type là qui prenait un bain de soleil, il me parlait d'une grotte avec des singes. Ou des orang-outans, je sais plus. Bref. Il disait, j'ai oublié. Ah zut, j'ai aussi oublié ce que je vais livrer. Je crois que c'était un genre de machin qui lance du gloobie-boulga. Je l'ai oublié dans le désert. En tout cas, j'y retourne pas. Je veux dire, c'est ton colis, pas vrai? Donc, t'iras le chercher. Allez, je te souhaite du bon temps dans le désert. Putain, mais vraiment la classe économique. Encore des gens qui viennent nous parler. Bonjour! Je t'ai entendu parler du lancer ourt. Oh, je suis la femme de ménage de chez Monsieur Monotoli. Et j'aimerais mettre la main sur ce lancer ours pour offrir du gloopy boulga à nos invités. Si tu entends parler de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. Je passe mon temps à le chercher encore et encore. Oh. Bah disons, c'était la foire au... Voilà. Ah, we are great, you know, like, we just had, like, 15 viewers, we... I just sang a song, you know, like, as usual, like always, like, regular stream. Bon, on a tous nos points de vue, mais on n'a pas tous mes MP. PP, pardon. Donc, je m'en fous, tant pis pour l'hôtel, on va direct dans le désert. Moi je dis... Oh le désert, voilà. On connaît le désert. En plus, à l'entrée, de... enfin, pas loin de la grotte, il y a un mec qui nous fait dormir pour gratos dans sa piole. Ah mais oui, c'est donc, vrai. Donc easy. Easy, attention, easy. Elle est possédée. Oui mais il y a un panneau qui empêche. C'est vrai. Alors là, attention, regardez bien le GIF. Attention, look at the animated GIF. It's... Ah, toi tu viens. It's here because of the next... screen. Map screen. You will see. It's totally. Attention. And now. Hey. Hey. This is on purpose. This is on purpose. Oui, c'est très à propos. Oui. Like I give a fuck. Mais c'était mieux tout à l'heure qu'il y avait le mec dans son. Voilà. C'est dur. J'arrive plus à parler. Non, mais c'est, vraiment, non, mais c'est dur. C'est dur. C'est dur tous les jours. C'est pas facile. Je sais pas. C'est dur. Voilà. C'est difficile. Donc il faut qu'on trouve. Alors la grotte, elle était plutôt près de la gauche. Mais il nous faut aussi le lance Gloopy Boulga. Alors on sait pas où il est. Lui. Mais on va d'abord aller voir la grotte vu que c'est le singe qui est arrivé en prompt. Donc c'est lui qui a priorité sur les informations. Donc d'abord hein, à gauche. Oh, on s'en va. Ouais. Non. On oublie ça très vite. L'infini. Mais... Voilà. Quelque part par là, un peu au nord. Normalement. Attention. Mais là, on est niveau. Mais là, on est niveau 10 000. Là, ça va être. Boum. Et voilà, boum. 220 XP chacun. Alors là, il y a un vendeur au marché noir. Blablabla. Qu'est-ce qu'il a lui? La maison, bon, bouteille V1, zapetus et roulot. Ouais, ça sera tout. Attention, mauvais type, c'est vraiment un conseil gentil. Non, on va rattraper un coup de soleil à un moment. Ah oui, ça va être fatal. Ouais, mais, Non, mais bon, calme-toi. Et voilà. Allez, ciao. Ah, c'est là. Je vous souhaite à bien. Notre paradis est juste là-dessous. Et kikuyu kikiki. Oh. Dalarama est super et très gentil. Kikuyu kikuyu.
tu connais plein de trucs, t'as la rabat assez ouvert. Ah, qui tu, qui est qui? Il nous a fait ses pièces. Ah mais, ah oui. Je préfère quand ils font des oh oh oh, parce que c'est plus singe quoi. Qui c'est pas très singe. Enfin, après je connais peu de singes en personne. Eh, c'est pas un endroit que les gens... Ouh, ah ah, i ah, et voilà. Ouh, ah ah. Ouh, ah, i, ah, i. Ça, ça ressemble plus à un singe. Vous avez un sandwich. Je ne bougerai pas le... Je ne bougerai que si je l'ai. Vous en avez... Ah bah non. Je ne bougerai pas. Donc il faut amener des sandwichs. Ouh, ouah, i, ouah. Je veux manger un pique-nique. Putain, mais ce singe est si crédible. C'est vraiment dingue. Excuse-moi d'être très doux. Ah non, c'est, mais c'est extrême, genre. Il nous faut un pique-nique. Mais attends, mais... J'aimerais qu'on parle, du singe. C'est genre extrême. Ouais. À quel point le singe est... réaliste. Ah ouais. Bah... Ah mais c'est genre... Tu sais que j'ai vécu avec des singes. Ah mais c'est ça. Ouais. Parce que putain, moi je suis... Je suis désolé, mais c'est pas possible. J'ai envie de dire, je vis actuellement avec des singes. Ah, ah. Franchement pas mal. Franchement pas mal. Non mais vraiment très accurate le singe. Merci. Ouais, c'est un entraînement, voilà. Je sais faire les singes et Donald Duck, c'est les deux. Ah. Et les Espagnols. Ah, les Espagnols, ouais, ça c'est. Ça, on l'a constaté à nombreuses reprises. Non, alors toi, t'as pas ce qu'il me faut. Il faut un sandwich et. Voilà. Sandwich. Pique-nique. Et un pique-nique. Parfait, ouais. Je suis qu'après, ils vont demander d'autres trucs, ça va être comme dans Zelda Majora's Mask. Ouais, acheter. Un pique-nique. Ouais. Lequel d'entre vous n'est mieux. Merci beaucoup, bye. Non. Allez. Ciao. On revient dans 5 minutes. Oh, vivement qu'il y ait de nouveau les singes pour que tu fasses la voix. Non mais vraiment quoi. Ah, ça me fait plaisir, ça me touche. Je mentirais en disant que ça ne me touche pas. Pour cela on gagne de l'XP gratuit sur le chemin à chaque fois. Ouais, ouais. Elle est où STC au fait? Mais je sais pas moi, je ne sais pas. Arrête maintenant. Parce que bon là on fait 10 000 quêtes, on a fini 7 donjons sans elle. Elle va être niveau 2 quand on va la récupérer. Ah oui c'est ça qui est terrible. Ouh ah, hi, ah, hi. Un sandwich. Ouh ah, hi, hi, hi. Ah. Là. Ouh ah, hi, hi. Voilà, oui, on a un sandwich, ouais. Super bien. Hyper bien. Quoi? Yuki Pu, quoi? Ah, 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 ah. Eh bien, Team Bison, à la prochaine. Bye. N'oublie pas que c'est un stream semestriel, non. Non, hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est ça. Oui, là. Et donc, tu peux revenir mardi prochain pour une nouvelle chanson, peut-être. Pour un nouveau stream, en tout cas, ça, c'est sûr. Et de la rigolade. Et des singes, des imitations de singes. Mais quoi? S'il y a encore des singes, peut-être qu'il n'y aura pas de singes. Oui, pique-nique, oui. Alors. On fera en sorte. Kiki! Mais ça, ça fait un bruit de singe, je suis désolé. C'est plutôt un nom de singe. Kiki, hé. Mais quand ça ressemble pas à un truc de singe, je vais pas faire un singe. Oh! Kiki, c'est pas un truc de singe. La chance! On va d'abord à droite, c'est logique. Non, c'est pas logique. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui parle? Mais je parle à personne, j'inspecte. Salut, ouvre le coffre. Wow! Il y a une serviette humide à l'intérieur, Némi. Ouais, ouais, la même. Ah, la pire imitation de la Terre. Hâte d'entendre les Espagnols. Bah alors, il en a déjà fait pas mal, les Espagnols. Les moi, je fais les Italiens la plupart du temps, en fait. C'est... Ah non, c'est vrai que c'est plus les Italiens. Ouais, moi, je fais plus les Italiens parce que j'ai de la famille italienne, en fait. C'est légit. Ce qu'ils sont hardcore des Italiens. Hey, Olmo Blo. Wow, il y a une pizza. Oh. Oh, oh, coucou, coucou, Olmo est le nouveau coloc dont je tairai le nom ici. C'est qui Olmo Blo? C'est Olmo Blo, c'est la nouvelle personne chez qui habite mon ancien coloc. Tu sais, celui qui est indien. Ah. Voilà. Et Olmo Blo, il fait des streams sur Kerbal Space Program, si jamais. Si jamais ah, des gens sont oui, intéressés. D'accord, ok. Très bon stream. Très bien. Et plutôt le chien 2000. Bonjour, plutôt le chien. Ah, mais bien, 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 bienvenue. Qui c'est ça aussi? Aucune idée. Ok. Mais bienvenue malgré tout et. Oui, ouh, c'est ah, ouh, ouh. Voilà, blablabla. Alors, si... pour ceux qui ouais. connaissent pas ce merde. Stream, les imitations de singes sont. Mais alors, sont d'une qualité. Une pizza. Irréelle. Mais j'ai pas de pizza, moi. Dans quel monde tu vis, le singe? C'est pas dans un petit. Je vois pas qu'il fait chaud ici. Les amis. Est toute moite. Mais ça vient humide. Si, si, j'ai, ouais. Oui, oui. Non. Ah non. Oh là là. Ah, hyper bien, hyper bien, hyper bien. Ah, ah mais oui, Tipsou, c'est vrai, Tipsou nous avait dit que cette partie était chiante. Aujourd'hui, il y a tellement de dessinateurs ah, mais aujourd'hui, de talent. C'est en fait, il y a tous les dessinateurs de talent. Aujourd'hui, ils sont tous là. En fait, ouais. on est un peu...
On est un peu le noyau dur. C'est comme si tous les dessinateurs talentueux actuels se donnaient la main, ouais, et venaient regarder Earthbound joué par des amateurs. Exactement. U-I-I-I. C'est humide par ici. Allez, Charles, allez, dégage. Oust. Dégage. Bah en tout cas, oui, c'est vrai, Tipsou, je me rappelle. And the unproductive cosplay, yeah, Mortis's monkey's impression are absolutely priceless. Y'a trop de jeux. That's what I like the most. Ah, j'ai une pizza depuis quand? Bon, alors, c'est parfait. Moi, il y a un burger, blablabla. Tiens, c'est quoi qui voulait l'autre? Une pizza, j'en ai une. Une règle. Putain de alors, débarrassé. C'est ça. Je t'ai justement débarrassé de cette putain de règle. Alors, attention le singe. Mais il dit Huquin, c'est... Ça c'est ça, ouais, j'ai. Pizza, vraiment, mais là, vraiment bien quoi. Huquin, ça veut rien dire. Ah, mon Kona est contente. Allez, ouf. Allez, casse-toi maintenant. Aïe, 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 ce qu'il faut pas faire pour des singes quoi, mais. Est-ce qu'il faut pas faire pour entendre Mortis imiter des singes surtout? Ouah, il y a une pizza, une autre pizza, bon, très bien. En fait, je suis un peu perdu par contre. Ah, un singe tout seul. Rien. Oh, ah, ah! Uki. Quelque part dans l'une de ces salles, Uki. Ouh ah ah. Kuko. Ouh ah ah. Uki. Vous devriez obtenir un sac de dragonite. Ouh ah ah. Uki. Kiki ya koke. Hyper bien. Oh mon dieu. Vous pensez vraiment que la dragonite est faite à base de dragon? Kiyokie Uki. Tenez, voici un œuf frais. Ouh ah. Ukiyo Kieko. Si vous en avez plus, repassez-moi. Mais c'est... Voilà. Kiyo Kiyo. Ouh ah ah. Ukiye. Putain, mais... sac est plein. Mais ce singe, mais ce singe. Mais franchement... Ouais, mais le truc, c'est que je peux pas utiliser d'objet. Mais un que... singe est caché sous la table. Donne-nous c'est... moins. Oh là là. Oh là là. Un singe seul plein d'astuces, oui. Astuces gratuites. Astuces gratuites à volonté. Mais enfin, c'est mais j'ai quand même pas du tout compris le concept de son truc dragonique. Ce qui va nous... Ukike, Uki, j'adore les hamburgers. Oui, ça j'en ai. Une kikie. Le singe à côté de moi aime aussi les hamburgers. Ukikie, Uki. Si vous avez un hamburger, pouvez-vous m'en donner? Oui. Oui, je peux. Oh mon dieu. Alors j'en ai un double, j'en ai un simple. Est-ce que ça marche les doubles ou pas? Ukikie, oh un hamburger. Voilà, allez, ciao. Allez, ouf. Allez, bouge ton boule. Mais ah, il fait que de marcher. Voilà. L'autre, t'as pas tenté? Oh, une poubelle. Inspecté. Tube brisé, mais on veut pas tube brisé, mais pire objet. Alors, l'autre, on va parler. Une kiki, ukiki. J'adore les hamburgers. I, ukiki. Le singe près de moi les aime aussi. Une kiki, uki. Si vous avez un hamburger, pouvez-vous m'en donner un? Oui, alors est-ce que le double burger ça compte? Qui est un hamburger? Oui, ça marche. Ça c'est bon. Ah non, ça marche pas. Si, ça marche. Oust. Très bien. Waouh, il y a un bijou flamme. Oh. Qu'est-ce que c'est? J'ai tout l'inventaire est rempli du coup. Bijou flamme. Vous devez équiper ceci sur votre corps, vous protège des attaques de feu. Bah mets-le à ennemi. Là, je peux rien le mettre à ah, que oui, ce non, soit, ça tout va. Est rempli. Bon alors du coup, ici, c'est chaud, c'est donc ça, ce côté-là, c'est fini, on a tout. C'est une impasse. Voilà. Allez, ciao. On y reviendra plus. C'est très bien, c'est très très bien. Par contre, de ce côté-là, du côté du singe avec un nœud sur la tête... Ouais, mais bon, ça... Ça c'est victoire directe. Ah non. Non, rien de mobilité. Ouais, bon, on attaque, ça va assez vite. Non, mais... Aïe. Un point. Voilà. Ah, ils font mal. Est-ce qu'on va y arriver? Pas sûr. Ah, si. Mais pourquoi ils ont mis ah, des ennemis ici si. Pourquoi ils ont mis des ennemis ici, sérieusement? Bah. Parce que c'est. Des végétaux, ouais. Ah non, mais ici, y a tout peut attaquer. Y'a plus de règles dans ce jeu, plus de règles. Bah, c'est la loi de la rue. Ah oui, non, lui il donne un objet. Alors attends, est-ce qu'on peut se débarrasser d'objets genre? Bah, tu manges la pizza. Ou tu brises, on peut le jeter par exemple. Mais non, parce va que la pizza on pourrait l'utiliser. La règle. Ça donne règle. Un tueur de bouclier. La règle. Oh oui, la règle, on se débarrasse. Ouais.
Et là, on peut lui parler. Oh ah ah. Oh oh ah ah. Oh. Ouko. Oh ah ah. Ouki. Quelque part dans l'une de ces salles. Ah oh, putain, c'est tellement long en plus. Ukiki. Oh ah ah. Ouko. Oh ah ah. Ouki. Vous devriez obtenir un sac. Ah oui, c'est vrai, blablabla. Bla, bla. Oh ah ah. Ouki, ouki, blablabla. Bla. C'est vraiment quadronné qui est fait à l'heure. Blablabla, tenez, reste 9 frais. Voilà. Merci. Ah, il est en fini en plus. Pour que tout le monde, pour que ce soit bien clair. Ces bruits que vous entendez, c'est pas des bruits qui viennent jouer, c'est mort, c'est ce qu'il est fait. Ce ne sont pas des vrais singes non plus. Mais c'est... Ah, tout le monde peut le faire, c'est un peu d'entraînement, c'est tout. Ouais, tout le monde peut le faire, c'est comme dire tout le monde peut jouer du piano, un peu d'entraînement. Bah oui, bah pareil. Des années d'entraînement. Non, on est à l'entrée ou pas? Je sais plus. Du coup, on a ça, on a quoi maintenant là? J'ai pas suivi. On a un autre. Je riais trop. Donc alors de ce côté. On a déjà chopé le coffre. C'est vrai que c'est assez complexe, c'est vrai que ce passage-là... Ah, là, il y a deux ça. Ah. Alors, une pizza, voilà, toi, j'ai bien fait de pas la manger. Ah, bah oui. En plus, lui, il parle vraiment, genre, si vous aviez une pizza, vous m'entendiez... Ouh, hi, 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 kiké. Oups, je dois pas parler humain. Ouh, hi, 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 kiké. Je reprends, si vous avez une pizza, pourriez-vous m'en donner? Oui, j'en ai. Elle est où? Pizza. Un pizza, comme on dit en Belgique. Uki, ouah, hi, hi. Super, c'est l'heure de la pizza, je commence à me défoncer la gorge avec cette connerie. Eh bien tu peux arrêter si tu veux, mais c'est ouah, pour le... Boisson protéinée, est-ce qu'on a ça? Je sais plus, moi on l'a pas. Pas. On dirait pas. Oh, il va être triste. Oh, c'est parce que je ne suis encore qu'un enfant. Mais oui. Exactement. Arrête, ce sont les meilleurs bruitages du monde, yo. Oh, ça c'est gentil. Mais c'est très vrai. Non, je parle pas au coffre. Ouvre. Waouh, il y a une boisson protéinée. Ouais, allez, voilà, elle est là. Un retour arrière direct. En mode. Passation de. Oh, ah, ah. Parce que UCC a dit que c'était bien. Alors. Ah, bah oui. Ouki. Oh, ah, ah. Ah, mais Ouki. La saturation. J'aimerais avoir une boisson protéinée. Ouh, ouh, ah, ah. Ouh, ouh, ah, ah, ouh. Je crois que je me suis trompé, mais c'est pas grave. Oui, mais donnez. Oui. Elle est là. Elle est là. La vérité. Gulp, gulp. Blieki. Blieki. Gulp, gulp, blieki. Ça voulait dire ça. Donc alors, on va d'abord. Vu que. On n'a pas encore été voir au bout de cette petite caverne. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a Octoblum qui dit qu'en 9 frais ça peut faire profiter de boissons protéinées si tu le gobes. C'est vrai, mais malheureusement les singes n'ont pas cette manière de penser. Uki, ils sont un peu fermés l'esprit. En fait, donnez-moi un hamburger. Ah, ça je crois pas que j'ai. Non. Compris, fiche mal camp. Wow. Calmons, mon petit gars. Non, j'ai plus d'hamburger. Iwai, qui je m'appelle Zé, chimpanzé. Alors là. Ike. Ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est la banane royale. What? Vous voulez faire un cadeau? Non. Mais attends, peut-être qu'il a demandé autre chose. Mais il voulait une banane royale. Ah ouais? Peut-être qu'il allait dire ce qui m'intéresse le plus, c'est la banane royale. Mais est-ce que je peux avoir une pizza? Ok, non, peut-être pas. Peut-être que si. Allons, roi d'arbre ici. Transporté. Ouah, il y a un hamburger. Ça, c'est bon. Et au bout de ce petit couloir. Je suis content d'avoir donné la manette. Miaou, miaou, arf. Zut, sale des traducteurs, elles se rencontrent dans la zone onomatopée. Cocorico, cocorico. Si je mange un offret, je vais gagner des points de vie. Croix, croix, brop. C'est bien, ça s'arrête. Oui, on a un offret, ouais. On va y arriver, on va y arriver. Ouai. Hop, voilà, et toi, tu veux quoi? Kiki. Mesurer un truc, il lui faut une règle. Non. Mais non. Ah. On en a plus. Non. Mais non, on l'a jeté à terre. Comme des malpropres. Moi, genre, je serais jamais dit qu'elle avait besoin d'une règle. Il y en a une là-dedans. Une banane royale. Neutralisant. Ton... Oh là là là. Bon. Quelle vie, très les amis. Bien. Quelle vie. Il quelle faut... vie avec ces singes. On va dédonner un hamburger. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un hamburger. Mmh. Puis après, il faudra ressortir. Il nous faut une règle actuellement. Une banane royale et une règle. Actuellement. Et un hamburger, mais l'hamburger on va le donner direct. Direct, c'est la guerre. C'est vrai que c'est l'enfer, ah, c'est l'enfer, très drôle, ah, hein. C'est. Non, la banane royale. Non, Oh mon dieu. Oui, il est. C'est dingue, dingo dong. Est-ce qu'on a encore. Y'a moyen d'acheter une règle quelque part, j'espère, dans le jeu. Si, si, oui. Vous êtes une règle là. Sac de dragonite. Vous soupirez de ceci sur l'un de vos amis en combat. Celui-ci se transforme en dragon et attaquera tous vos ennemis.
disparaît après une seule utilisation. Waouh, ah ouais, ok. Ok. Ah bah, ça a l'air d'être pas mal, hein. Waouh. Ah. Ouais. Non. Une pile d'ardeur là, c'est quoi une pile d'ardeur? Double besoin de courage pendant un combat. Oh, pff. Ouais. Ah ouais. Des trucs à utiliser comme ça. Fétiche. Ah, mais ça, ça il faut le revendre. Ça, on peut le revendre. Aïe aïe aïe! Les amis! Quelle histoire! Mais est-ce qu'on doit. En tout cas, on a plus rien à faire là-dedans, si? Bah, si, il faut qu'on parle avec le vieux magicien. Ah, avec oui. Télérama. Télérama! Le magicien Télérama! Ah, ce fameux magicien Télérama! Donc, il nous faut banane royale. Règle. Une banane royale, j'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est tout. On a besoin de rien d'autre que banane royale et règle. Ouais, je crois bien. Mais ça s'achète des bananes royales? Certainement, c'est super bien les pseudos avec des chiffres, en fait je suis un peu jaloux. Ouais. Ben oui. Ben oui. C'est vrai. Certainement, il nous faut une règle et une banane royale, tu sais, tu connais le jeu, tu voilà. Si on rate, ce sera ta faute. Voilà, exact. Où est-ce qu'on doit aller? Je pense qu'ils ont pas ça ici, des règles et des bananes royales. pas de règle, pas de banane royale. Non. Ah, il va falloir aller à Forside. Et si ça se fait, il n'y a même pas ça à Forside. Il faut peut-être aller à Trick, à Tucson ou à ailleurs. Ouais, non, mais il y a un immense supermarché à Forside, il y a forcément ça. Allez, on va à Forside. Forcément, au moins, il y a forcément une règle, au moins. Mais banane royale. Banane royale. Non, t'as le guide, en fait, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a même pas encore trouvé une seule mélodie de. Ouais, ça fait, hein. C'est vrai que. Waouh! On enchaîne, on a perdu STC dans l'opération, on n'a pas gagné de mélodie. Vénère quand même. Ah, il y a le plan. Ah, c'est là, oi oi oi. Donc il faudra le truc pour neutraliser la côte. Combien de trucs? Elle est dans la caverne, la banane royale, mais du coup, alors il nous faut juste la règle. Parce que si elle est dans la caverne, le seul endroit qui reste, c'est derrière la règle. Oui, d'accord. King Banana, oui, ça doit être ça, je suppose. King Banana. Il faut donc la règle, oui, c'est ça. Allons-y, on va trouver une règle, il doit y avoir une règle quelque part. Oh là là. Ah oui, non, mais il y a quoi aussi. Enfin, oui, alors bon, une règle. Mais c'est pas grave de baisser nos viewers maintenant qu'on a fait la chanson, qu'on a le gif. Tout va bien. Ouais, non, mais t'inquiète, l'important c'est que tu aies été là, ouais, dans ces moments cruciaux. Et voilà, c'était. Voilà, c'est fort aimable. Mais ouais. Merci beaucoup d'être passé. Mais oui. Bonne ça soirée. Fait plaisir. Et merci. Je sais pas si tu vas revenir, mais si ce n'est pas le cas, j'espère à la semaine prochaine. Ouais. Car toutes les semaines. Run Artichaut. Ah, faut que vous avez la même. Ah, ok. Ouais. Couleur. Pas facile la vie. Non, ah ça. C'est là. C'est ça, ouais. S'il y a quelque part où on peut trouver une règle, c'est bien là. Alors, on va trouver une règle ici. On veut une règle, tout le monde! C'est pas un truc qui se mange, donc ça n'a pas été. Mais là, il y a un truc genre fourniture d'école, non? À un moment, il y a pas ça? Là. Peut-être. Ouais, non. Mag truc. On va déjà lui vendre, attends, on va lui vendre. On a un truc à vendre. Fétiche. Quoi? Le fétiche, oui. Merci. Oui, 200$, ça suffit. Bisous. Ah, tu t'en vas. Moi, j'ai fini Mickey, alors je m'en vais rejoindre mes bières. Ah, mon lit. Très bisous. Bien, eh bien, merci beaucoup d'être passé. À mardi, oui, oui. Ah, très bien, parfait. Et puis à la prochaine. Bon, 8h30 bonne semaine. Tous les mardis. Voilà, ah, tout le monde s'en va. Eh bien, STC aussi. Ah, eh bien, pas de problème. Oh! Oh oui, ce sera tellement. Ah là là, trop bien, trop bien. Eh ben oui, t'inquiète. Eh bien alors, à la semaine prochaine, STC, merci d'être passé, c'est cool. Si on n'arrive pas à te sauver cette fois-ci, enfin, peut-être on va se sauver ce soir, mais si on te sauve pas ce soir, c'est promis, la semaine prochaine. Ah bah on te oui, sauve. C'est clair. Bisous. La bise. Ah, mais ça, c'est le sport. Non, mais lui, non. Il n'y aura pas de règle. Hein. Non. Il n'y aura pas de règle. Non, jouet, il y a forcément. Si une règle, c'est un jouet. Non.
Allez. Ah oui, mais non, on les connaît pas cette fois-ci. Ok. Oh. Donc alors, il nous faut une règle. Bon sang. Ça tourne par l'atelier, mais c'est la fuite des cerveaux. Aïe, tout le monde se casse, ouais. Bon bah, à la prochaine, mon petit Sad. Salutations. C'est cool que tu sois là. Ouais, salutations aux zouzous de l'atelier, genre Vincent Giard et compagnia. Burger, miam. Oui, et enfin tous les tout le monde, en fait, ce que tu fais, c'est que t'entres dans l'atelier, tu te hurles Mortis Ghost, Exaeva et Laurine disent bonjour à tout le monde ici. Voilà, en hurlant, genre. Voilà, ouais. Prendre non. Mais. Dakodak, il est fou. Ça, c'est bon. Achète éléphant en flouche. Et. Il y avait ça. Il faudra. Oh. Bon, en second, on achète des règles. Et l'erreur. Si on avait su. Là, ils vendent pas des trucs, hein. Ah, y'a personne. Oh. Oh, come on. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vous êtes allé jusqu'à Trick alors? Dans l'autre sens, quoi. On peut prendre le bus jusqu'à Trick, on va faire ça, on va prendre le bus. Il est où le bus? Bah, Trick, tu crois qu'il y a des règles? Y'a pas de règles ici, de toute façon. Pas le choix, je crois. Le bus, il est où? Là. Non, il faut regarder sur le côté, sinon on se fait renverser. Non, il est pas. C'est dangereux. Mais je suis pas au milieu de la route. Oh. Ouais. Voilà, on prend le bus. Zazouzouzou, zazouzou. Tout sonne, biactrique. Code par personne, c'est super ici. C'est parti. Aïe aïe aïe. Ce qui est bien, c'est qu'on a le joli petit truc où on voit le bus avancer. Ouais. Avec une petite musique sympa. Ultra travail en forme rectangulaire avec des chiffres dessus pour prendre des mesures. Ah là là, dure la vie. Bail en forme de banane géante, Saturnum. Banane royale. King banana. King banana. Gagnant au jeu des Mexicains, on peut gagner une règle. On a connu. Alors en fait. Écolier, ouais. Non, là j'ai le truc. Et en fait. Il faut aller l'acheter à Tucson. Ok. Ça tombe bien, le bus va jusqu'à Tucson. C'est du Calypso. Oui. Moi sinon, plutôt le chien 2000, ça va. Quelles sont les nouvelles? Est-ce que tu fais une autre BD sur Jean-Claude Van Damme avec. Avec Myriam Mal? Elle était tellement bien la première. Spider Friction, yeah. I was wondering if you guys could wish her an happy birthday. Ah! C'est l'happy birthday d'un productif cosplay! Oh! If you guys could wish her a happy. Oh my god, it's tomorrow. Oh my god. Yeah, happy birthday. I don't know, maybe we can. Oh god, what should we do? Happy birthday and productive cosplay, that's really cool. Yes, a very happy birthday to you. Especially to you. Especially to you. And productive cosplay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you and pretty little play. Happy birthday to you. It was a firework for you with my mouth. Ah, j'ai cru que c'était un vrai. Ouais, c'est vrai qu'il était très bien fait. Bah oui. C'était un firework de crachat. Alors, on est enfin arrivé à Tucson. On pourra faire l'aller-retour tout à l'heure. Alors, il faut aller dans cette espèce de le petit parc. Le petit. Le ah, petit. Ouais, ouais. Marché aux puces. Tout ça pour une règle, quoi. Là. Voilà. Et là, tu sais à qui il faut parler? Non, mais il y a quelqu'un qui en a. Il non, aime bah, bien s'asseoir. Ouais, c'est pas lui. Super. Après. Alors, le panneau à vendre, vous l'avez tué? Oui, c'est bien moi qui vous l'ai vendu. Des bananes en bas. Il y a des bananes en bas aussi. Oh, il pleut.
floor is crying. She's crying. I don't remember. And I wish her nothing. She. Oh. Donc voilà, deux secondes, j'approuve la belle chanson de Sia. De gratuité. Un module à la racheter. Non mais on s'en fout. La meilleure règle au monde. Ouais. Deux bifetons. Bon bah voilà quoi, on est sauvés. Ça, des sauvés des ans. Ah merci pour la chanson d'anniversaire, elle était totalement improvisée, c'est le genre de chose que vous pourriez avoir pour 30 viewers. Eh oui, une belle chanson d'anniversaire improvisée. Je suis un mec comme ça, je suis un ouf. Plus que 20 viewers, ça peut ouais, encore ouais, arriver. Ça peut encore arriver. Il arrive en cul. Ah ouais. Ouais. Ah voilà. Allez, on est reparti dans le sens, on va jusqu'au désert et là voilà. What the balababri babri. Et après on accède à je sais plus quoi, Télérama le magicien. Non mais on va en trouver une normalement. Normalement elle est dans la caverne. Sinon. Eh bien, je quitte ce stream. Oh! De rage. Ou on passe sur un stream Dark Souls. J'ai justement un bulle très intéressant à vous montrer. Oh! Pour répondre à votre question, je viens de terminer une BD de 4 pages pour Marion après avoir reçu un paquet de France. Ah! Est-ce que vous l'avez scanné? J'espère que ça sera visible. J'espère qu'on pourra la voir. Ou j'espère que Marion m'en a montré. I'm not worth. You. Unbelievable. You're totally worthy because you're one of our viewers and one of the most, how can I say that? One of the most regular and... Yes. And, non, c'est pas le bon mot. One of the most... One of them... No, You're always there, that's what I want to say. You're always here to support us and that's pretty cool, so... Thanks to you and from the, happy birthday. Yeah, from the beginning you're here. You're like, I don't know, you're part of our family, in a way. You know what I mean. It's not for real. Simon Barbary, on veut voir. Je veux, en fait, tous vos dessins. Ah là, on descend, et c'est la fin d'une belle aventure. Ouais. J'aime bien la tête qui sort, c'est dingue. Allez, direct on... Et là... Là, là, ces singes, ils vont nous entendre. Toi t'es viré. Oust. Bitou. Ouais, super. Hop, et voilà. Elle est là, la vérité. Elle est là. Ah, jeez. Bon, alors par contre, je me rappelle plus du tout de quelle galerie je dois prendre. La 1, la 2, la 1, la 2. Ouais, je crois que c'est là. À mon avis, c'était là. Allez-vous quoi? Voilà! Ouais! Ouais. Si, mais alors ça, on en a une. Et là, on est allé te l'acheter juste pour toi. Et puis enfin, mais sa propre queue. Tout ça pour ça, quoi. Ouais, ouais. Qui eut, l'un de mes amis peut se téléporter. Qui eut, qui sérieusement, vous n'avez jamais entendu parler? Qui eut. Dans ce cas, prenez une banane royale. Je comprends pas le rapport. Comment ça n'a aucun rapport, voilà. Mais dans tous les cas, je suis mignon, non? Ouais, très mignon. Merci pour la banane. Salut, obtenu la banane royale. Ah! Et là? Le singe, c'est le singe, ouais. Donc, maintenant, on vient en arrière un petit peu. Ouais. Pas très loin en arrière. Ça doit être là, je crois. Oh! What ouais, the fuck. C'est vraiment ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'avais oublié ça. Je me veux. Bah là oui, c'est cher en pensée. Ha 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 ha. Un cadeau, ouais. Ah, tu ne devineras jamais ce qu'on a pour toi, mon pote. Le paradis. Le paradis est dans tes mains, mon poteau. Allez, bouge ton boule. Là, c'est fini, là. Là, on est au bout. Et là. On n'a pas de place pour prendre tout ça. Si, maintenant qu'on a donné des choses. Un burger, comme ça. Bon. On les regarde en...
Eh bien, mange l'hamburger. Oui, mais après, ils vont nous demander un hamburger. Alors, non, ne le mange pas. On va d'abord voir là-bas. Non, on jette vraiment quelque chose de nul. C'est la caverne de Platon. Oh, il faut l'effaceur. J'adore Talarama. C'est presque Télérama. Hein. T'as mis des seins. C'est vrai que c'était presque. La chanson que j'ai faite pour Talarama. Ah putain, mais oui, il faut l'effaceur, on l'a pas. Attends. C'est la gomme, je sais plus quoi là. Oh merde. Elle est chez Cargo Express. Oh Champs-Elysées, palapalala. Oh Champs-Elysées. De toute façon, bouffer le hamburger, ça sert à rien, c'est fait. Utilisé sur des. Voilà. Inspecte. Ouah, il y a un pique-nique à l'intérieur, c'est ça. Super nul. Bon bah, on ressort, on appelle Télérama. Non, on appelle Escargot. Oh là 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 là. Infini. Voilà. Il peut pas venir dans la grotte, Escargot Express. Mais non, il faut qu'on appelle. Mais faut les appeler, Gaston et téléphone qui sont. Et ça lui rate sa cible alors que c'est une plante quoi. J'avoue, c'est chaud quand même. Please. Salut. Ah, please. PLZ, mon pote. PLZ. Alors. Et d'ailleurs, Simon Barbary, vous venez bientôt en Europe? Ah. Demain. Demain, ouais, demain. C'est férié en plus. En bah plus, ouais. C'est férié, y'a pas école. Ah bah oui. Allez. C'est la fête nationale de la frite. Ah. C'est une fête spéciale belge. C'est quoi en novembre? Ça doit être genre. C'est la, c'est la Saint-Valentin. Non, ça c'est en février. Ça doit être en l'armistice ou un truc comme ça. Non, c'est pas un truc comme ça. C'est Noël. Ça doit être ça, oui, sans doute. C'est Pâques. C'est pas Pâques, moi. C'est le solstice d'été. Non, non. Ça suffit. Tu peux commencer par envoyer mes souliers par la poste. Ah bah oui, chaque chose en son temps. Tout à fait. Parlez. Escargot Express, ouais. Mon grand frère. C'est Tracy, c'est vrai. Tracy. Ouais. Ah oui, mais il faut. On peut pas faire le deux en même temps, il faut vraiment choisir. Ah, je suis fatigué. Bah, ramasse un peu. Attends, on va regarder si on a des trucs à donner d'abord. Bah, bijou flamme, il faut en faire quelque chose de ce bijou flamme. Mais on peut le donner, il faudrait le donner à un ennemi pour qu'il l'équipe. Mais bah, alors là, tu l'as de ouais, choses, quoi. Mais Magnum Airsoft, pourquoi est-ce qu'on a ça? Ah, ça, ça, on va le donner, oui, alors. Au moins ça. Parler, hein. Ouais. Non, mais on peut le vendre, Magnum Airsoft. Mais non, on peut pas le vendre, c'est ça le problème. À chaque fois, j'essaie de le vendre, ils veulent pas l'acheter. Ah, mais oui. Ramasse ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Quelle histoire, les amis, quelle histoire! On fait des tours, on attend. L'Immaculée Conception. Ah, le désert. Eh, hey, salut! Escargot Express. Ouais. Ouais, super histoire. Alors, tu vas prendre. On va passer peut-être le bypass mécanique aussi. Je sais pas si c'est sérieux. C'est vrai que. Ouais. De toute façon, on va devoir le rappeler pour reprendre des objets clés. Oh, oui, non, mais si. De toute façon. Et puis le. Franklin, on va le garder. Le plan de la ville, on peut peut-être le donner quand même. Ouais, qui jamais, franchement. C'est rigolo, mais. Ouais. Allez, casse-toi. Ciao. Quelle histoire, les amis. Retrouver la gomme. Non, c'est pas papa, mais c'est pas grave. On a 35 000 boules. Ça devient vraiment ridicule. À un moment, on aura 1 million de boules. À un moment, on aura 1 million de boules. Toutes ces boules, on pourra jouer. N'oublie pas le pourboire, le pauvre monsieur. Oui, mais ici on est en Europe, on donne pas de pourboire. Ah, ouais, non, attention. Si tu donnes un pourboire en Europe, si tu donnes un pourboire dans un bar, t'es mal vu. Les gens ils crachent au visage. Les serveurs te crachent au visage. Les serveurs ils arrivent, ils te crachent au visage quoi. Mais au préalable, ils ont mangé des épingles. Alors, ça, c'est les objets qu'on a. Voilà. Efface crayon, une fois. Efface crayon. Ouais. Allez. Ouf. Alors que c'est quand même drôle parce que quand je jouais à Pokémon en étant petit, je me disais oh là là, mais le système du PC et tout, c'est long machin, et là putain, mais tu dois attendre que quelqu'un vienne, tout, c'est encore plus long. Mais en termes de roleplay, c'est très drôle. Ah, en termes de roleplay, c'est hyper bien, ouais. Par contre, c'est tellement laborieux. Ouais, allez, ciao. Heureusement qu'on a plein de fric aussi. Hein. Oui, à ça, oui. Vous voyez, acheter la cabane sur le bord de l'eau. Il y a une cabane à acheter, hein.
J'espère. Wow, c'est... Mais oui, il y a pas un truc au début d'un personnage qui te vend pas sa meuf. Ah mais oui, c'est vrai. C'est dans ce genre à honnête, non? En croissant, mais on a pas de place pour avoir. Oh là là. Quelle histoire. C'est un singe voudra. Ici, on passe, on donne des pourboires aux gens qui te raccrochent dans la rue. Oui, on se souvient, c'était comme ça quand on a été au Canada. Bah ouais. Bon alors. Une fois, je voulais donner. Au lieu de donner 15% du pourboire, j'ai donné 18%. Il m'a regardé, il m'a mal regardé quoi. Quoi? Bah, un serveur. Au Canada? Ah ouais, j'ai 18, il voulait 15 quoi. Ok. Ah, ça, c'est... Ils sont précis quoi. Bizarre quand même, non? Bizarre. La ville natale de Death, oui. Ouais, honnête, monsieur. Honnête, c'est pas la ville d'après? Non, c'est la première. One, honnête. Mais justement, c'est pas la première grande ville. Donc, toi, t'es pas vraiment dans la ville, t'es un peu. Ah, mais tu vis un peu au nord de la ville, ouais, quoi. Bon. Et là, on est bon. C'est, franchement, c'est le pire donjon de la Terre. Ouf! J'espère qu'il y a un boss. D'ailleurs, je vais débrancher la manette. Ah, oui, bonne idée. Voilà. Ah, il est là. Et on a plus de place. Hein. Alors là, si tu crois qu'on peut ramasser des objets, tu te gourres. Voilà, pardon, singe. Allez, je t'accorde de ne pas le faire. Ouh, ah, ah, ouh, ouh, ah, ah, ouh, ouh, ah, ah, ouh, ah, ouh, ah, ah, ouh. En plus, c'était très répétitif. Ouais. Je vous attendais. Sérieux. Non, mais je parle pas. Ouvre le coffre. Waouh, il y a une cervelle panée. Ah, dégueu. Ok. Waouh, il y a une coupe de vitalité. Coupe de vitalité. Quoi, coupe de vitalité? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce que ça peut bien être? Coupe de vitalité. Réanime un membre de votre équipe. Cela fonctionne aussi très bien contre le poison. Oh bah c'est comme l'herbe mystique. Il faut viser juste avec le pourboire, oui. Eh oui, c'est ça qui est terrible. C'est comme l'herbe mystique. Allez, ciao. Ah, c'est plutôt cool ça. La vérité de l'espace et du temps, elle se déplace à travers l'univers telle une vague. La vérité parle à travers l'espace et la matière et se fait connaître à l'homme. Je vous attendais et vous êtes là. Cela devait se passer ainsi. Passer ainsi. Oui, oui, non, mais il parle comme ça. Ok. En vérité, tout s'est un prédéterminé. Salut, STC Némi et AZ6. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas encore AZ6. Lorsque ces quatre pouvoirs seront réunis, l'espace pliera et ramènera la paix. M'avez-vous compris? Aucune importance. Faites comme bon vous semble. Ouvrez le coffre au trésor et faites vôtre son contenu. Êtes-vous venu chercher ceci? Quelqu'un l'a laissé derrière lui dans ce trou. Vous ne pouvez plus rien transporter. Pourquoi? Ne pas vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Car... vous aurez besoin du lance-yaourt. Oui. 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 Ça va le panier, c'est quoi? Ça va le panier. Si vous en mangez, vous resterez dans 300. Oh mon dieu, non, c'est hyper bien. On ne s'en débarrasse pas. Bah non, on jette. Seul l'ami, utilisé sur un combat, remet les capacités de tout protagoniste à leur niveau initial. Ah, c'est drôle, c'est hyper bien. Ouais, c'est pas si génial. C'est pas si génial, ouais. J'ai presque envie de l'enlever. Oh, mais goniomètre, par exemple. C'est pour avoir. Goniomètre, c'est quoi encore? Mais je crois que ça sert à rien, ça. Ouais. En fait. Ouais. En plus, il nous demande même pas la confirmation. Ouais, ouais, alors. Ouais. C'est tellement nul. La vérité. Ah, ouais, bon, on va pas se refaire tout. La vérité. La vérité. En vérité. Avez-vous compris? Ouais alors. L'aventure qui vous attend est loin d'être une promenade de santé. Je vais vous donner une capacité qui vous permettra de voyager à travers l'espace à votre guise. Vous apprendrez cette capacité grâce à ce singe. Aimeriez-vous apprendre cette dernière? Bien sûr. Ah ah ah! Merveilleux. N'oubliez pas de parler au singe. Oui oui, on le fait. Etc. Je vais vous apprendre la téléportation. Etc. Allons dehors. Allez, direct, on apprend à se téléporter. Non, bah.
tranquille quoi, le mec. Ça fait quand même plaisir, hein. Ah putain, parce que tout ça pour ça quoi, enfin, bon, ça c'est une bonne récompense quoi. Oui, je trouve que au on a moins, bien mérité. On a, ouais, on l'a bien mérité là, la téléportation là. L'ultime épreuve, c'est un peu de sortir d'ici quoi. Sortir, ça va, c'est pas très compliqué. Hein. Ouais. Yep. Don't, sorry for that. Don't die, please. Try to breathe. Please keep breathing. Et on a 2000 viewers. Ah ouais. On avait déjà 2000 non, viewers. On a pas 2000 viewers. Oui, on a eu 2000 personnes quoi. Oui. Piki, tu es moi par ici. Oui, d'accord. Allez, toi t'es mort direct. Rack. Schlack. Rack. Et voilà, d'un coup d'un seul. Et viré. Un coup dans la nuque. Et hop. Putain, il court vite ce singe. Ouh ah ah, ouh ah, ouh ah ah ah, Kyoko. Bien, je vais vous faire une petite démo. Allez, blablabla. Si vous parvenez à la maîtriser, vous pourrez retourner dans tous les lieux que vous avez déjà visités. Ouh ah ah, ah ah, ouh kiki, et ce, en un instant. Mais vous ne pouvez pas utiliser ces techniques dans les lieux couverts. Oh, il colle à l'extérieur. Ok. Il a juste couru en fait. Ouais. Ukiyo, je reviens tout juste de force. Je vous ai montré la base, la course en ligne droite. Mais vous pouvez aussi tourner pendant la course si vous avez assez de place. Bon alors, et si vous essayez, jeune homme? What? That singing cured me. Ah. Salut à you're welcome. Téléportation. That's a pleasure. Ouah, super, le professeur n'a plus qu'à rentrer chez lui. Ouah, bon. Tranquillou. Et donc maintenant, on va tranquillou au calme, on a la. Téléport on a la alpha. Oh. À coup des pépés, bien sûr. Ouais, mais ça va. Oh là là, ça... on peut même aller à Sakai. Faut pas aller voler Saturne. Sakai, c'est quoi? C'est de là d'où vient Nemi. Oui, c'est vrai. Par contre, il y aura pas beaucoup d'autres choses. Il y a une autre destination, après c'est fini quoi. Ouais, après c'est fini patato. Youhou! Faster than Bolt. Faster than quoi? Bolt. Usain Bolt. Ah, yes. Ok. Voilà, il faut qu'on trouve celle, non? La meuf qui vole. Je continue de chercher le fameux Gloomy Woolga, mais... comment? Vous avez le lancier ourte, je peux l'avoir! Avant, vous pouviez faire quoi que ce soit, elle s'empare du lancier ourte. Désormais, je vais pouvoir se servir du Gloomy Woolga, mes invités! Vous êtes vraiment sympathique! Je vais vous en faire un peu! Ma chambre est au 48ème étage, je vais les faire un jour! Ma chambre est au 48ème étage, blablabla! Elle redit la même chose. Ouais. Bah d'accord. C'est un peu louche. Parce que la dernière fois qu'on a suivi une femme dans un hôtel, elle nous a tués. Ah oui, c'est vrai en plus. Faut toujours se méfier des filles. Oh. Et des hôtels. Et surtout des hôtels. Mais peut-être que... Et des zombies aussi. Moi ce que j'aimerais bien surtout, c'est retrouver STC. Oui, ça serait pas mal ouais. Je veux dire, ça fait 1 million d'années qu'elle est plus là. Ah mais on va pouvoir aller dans la chambre secrète. Ah mais c'est là où elle est, ils ont dit qu'elle était dans ce bâtiment. Oui. Voilà. Oh! Allez, sors de là. Ah! On peut enfin ouais. Entrer dans cet ascenseur. Chut, du calme. Tu es salue, n'est-ce pas? Electra, la femme de ménage de Monsieur Monotoli, m'a parlé de toi. Je vous emmène au 48ème étage, au bureau de Monsieur Monotoli. Oh! That's mysterious. What is it gonna look like? It's the 48th floor. Non, je dois pas, je redescends. Ouais. Strange music. Scary music. Spooky, spooky. Votre code secret, s'il vous plaît. Vous avez 10 secondes. 10, 9, ouais. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What the... Tu veux bien faire une débranchage de manette, s'il te plaît? On va faire un petit débranchage de manette. Parce que je sais vite pas fait, à bien quoi fait. M'attendre. Débranchage effectué. Mutei V1. Ouais, le mu. Tic-tac. Oh, mais arrête de rater. Tic-tac, moi ça me. Moi j'aime pas. J'ai des mauvais souvenirs. Ah! Ouais, y'a pas de soucis. Ça t'est pas fait mal? Non, non. C'est tout ce qui compte.
Go. Chambre numéro 1. Some doors. Doors. C'est trop grand encore. Plein de portes là. Oh là là. Some doors. Oh là là. Oh là 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 là. Est-ce que le robot est revenu? Je suppose que oui. Non. Ah mais. What? Ah mais. Tu comprends ou pas? Ouais, ouais. Oh mon dieu. Mais oh là là. À chaque fois on va devoir attendre 10 secondes. Trop long, c'est trop long. Oh là là, salut. Elle est là la vérité. Oh pas mal. Encore de l'XP parce qu'on en a, on en a besoin. Ça vaut pas. Voilà. Ah, pareil. La même chose. Non, oh, bien joué. Tu vas aller où? Là-haut. Merde. Ah ouais. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et si seulement on avait pu passer par le coin là. Ah, c'était... L'idée était, était bonne. Allez. Mais c'est pas mort encore. Voilà, c'est bon. Et là, elle est bonne. Allez, on délivre STC tout de go. Mais ça, ça va. Mais c'est quoi? C'est l'heure des labyrinthes? Non, mais en, ça, ça me saoule un peu de devoir voir le compte 6, à chaque fois. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là, ces petits robots là, ils sont pas cool. Non. Aïe aïe aïe. Aïe caramba. J'en ai pas sûr. Allez, on tapote. Ça tue, ça tue. Ouais, ouais. Bien, ouais! 5000 XP. Un cadeau. Mais pff, est-ce que j'ai encore de la place dans mon inventaire? Oui. Pilule d'ardeur. Mais, ça, c'est, ça, c'est direct ça. Ah non, c'est dans les combats. C'est dans les combats, mais. On a trop d'objets qui s'utilisent en combat et qui servent à pas grand chose en fait. Oh, pitié, mais pitié! En fait, il y a vraiment un truc qu'on peut faire pendant les 10 secondes, genre. Faire un enchaînement de. C'est possible, en plus. Que ça, t'as pas besoin de le battre. Mais on, est, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Peut-être c'est écrit dans le dictionnaire. Ou dans le guide. Ou dans le guide. Voilà. Allez. Là, ça va bien. Là, ça va bien. Like, give a fuck. Allez, quoi. Yes, mais c'est pas vrai. Les robots reviennent pas, par contre, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien, ouais. Ah! Mais sauf que. Bah t'as qu'à manger. Ah non. Elle est ouais, super mais vraiment bien. Hyper bien. Faut la garder pour des vrais pokés combats. Jette une pute d'ardeur sinon. Ouais. Ah mais sinon il y a le pique-nique, on peut le manger. Ah oui, voilà. Voilà. Capsule vitalité. Ça c'est bon ça. On la donne à Nemi. Ouais. C'est tellement nul, hein. C'est pas top, hein. C'est franchement passable. En même temps, les niveaux, la plupart des niveaux donnent 1 aussi. Donc ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Bing, clic, clic, clic. Drous, oui, bravo. Je sais pas ce qu'il faisait. Robot ballot. Il est très mignon, ça. Il est très cool, ouais. Il sera pistole. Esquive. Trébuche, mais il arrive à faire un oh, diamant. Non, mais, non. Mais ça va, il est plus diamanté. Ah bon, ça va. Bizarre. Très dur à toucher. Il mange un. Mais non, mais il mange un sandwich à la bolognaise. Du coup, tous ses points sont ramenés. Oulala, là là, il a l'air pénible. Il est indécis. Oh, il esquive tout le temps. Oh là 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 là. Okay. Mais arrête d'esquiver. Oh là 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 là. Ça suffit, hein.
femme. Mais non! Oh là là, mais je dis ça, ça c'est super. Allez, psy, cosplay bêta, t'es viré. Allez, ciao! Ça va pas le tuer, il a l'air d'avoir beaucoup de points de vie, je crois. Oh mon Donc, dieu, on n'a pas de truc annulé, machin bouclier là. On n'a pas les objets là. Bah, je sais pas si ça marche pas, Si on a un peu de bouclier. Il va quand même se faire tuer hein. Là je le touche à chaque fois. Ah là, il est là, voilà, là c'est bon. Putain, ce type se précipite dans la pièce. Dans 29-5, mais. Lucky se profile derrière le robot. Il donne un petit coup sur l'interrupteur. Ah, quel naze ce robot, c'était presque trop simple de le stopper. Tout est allé très vite. Le robot, Balo, arrête-le. Mais hyper drôle. Vraiment hyper drôle, ça. Très très marrant. Waouh, c'était genre un boss. Salut, à ta niveau 41. Mais le boss qui a l'air le moins d'un boss du monde. Ouais, c'est ça. Oh mon dieu. L'attaque monte 2-3, ouais. 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 Ah ouais. Ça c'est bon. Ouais. Ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Super niveau, bravo Némi. Le Runaway 5, justement. Nous n'avons pas d'argent, mais si ça peut aider, nous sommes plutôt costauds. On a une dette envers vous, nous nous renverrons l'ascenseur si nous le pouvons. Ouais. J'ai cru entendre une voix de fille. Forçons la porte de la pièce d'à côté, mais je dois aller aux toilettes avant. La porte de la pièce d'à côté est étrange. Alors déjà, c'est une pièce que j'ai pas été visiter, donc je vais d'abord juste aller voir cette pièce. Très bonne idée. Très bonne ouais, idée. C'est ce qu'on fait, ça s'appelle une exaiva. Oh, bah voilà. Ah, voilà. Voici votre Gloobie Boulga, monsieur. Salut, tiens, votre Boki est trop simple. Il en donne un petit quelque chose l'autre jour, il m'a dit c'est bon pour la femme de ménage. Oui, ok. Non. Non. Non, cette information est fausse. Donc, on va peut-être faire une sauvegarde ici. Ah. Je sais pas pourquoi, je le sens. Ça, c'est l'intuition Mortis Ghost. Ouais. Hop. Waouh. La chambre en or. Il y a genre un ours. Il y a STC ? Non, c'est pas STC. Si, c'est STC. Ah. C'est qui Stop, monsieur, arrêtez, j'abandonne. Ah, mais c'est lui qui parle, j'ai cru que c'était l'ours. Salut. Te voilà enfin, je vais bien. Je savais que tu viendrais me sauver. C'est pas qu'il fait sa voix à la ouais, base, mais qu'importe. Monsieur Bolotoli n'est pas une si mauvaise personne. Prends le temps de l'écouter. Y'a Bol qui parle. Vous êtes de ma vieux chanteur. Regarde ses bras maigres, ce corps chétif et ses cheveux gris. Depuis que j'ai perdu la statue Mani Mani, je suis devenu si faible. Je suis désolé d'avoir enlevé STC, je ne lui ai fait aucun mal. STC est une fille remarquable. Eh oui. Bien sûr. STC, retourne avec salut. Désolé de vous avoir causé tant d'ennuis. Et voilà. Un film d'enfant, c'est quand même pas genre je m'excuse et c'est fini quoi. Oui. On appelle la police. Bon bah, d'accord. Je vais tout te raconter. La statue Mani Mani crée une sorte de transe. Cela attire les mauvais esprits et affaiblit ton cœur. Ce pouvoir m'a tellement effrayé que j'ai caché la statue dans l'entrepôt du bar de Jackie. J'y suis souvent allé pour prier. Des mots énigmatiques sont apparus lorsque j'étais en transe. Salut, ton nom est apparu parmi ces mots. Stop salut de tes propres mains, ou ne le laisse pas aller à sa cogne, ou assure-toi qu'il n'apprenne rien au sujet de la pyramide. Je n'ai pas vraiment compris ces messages, mais quelqu'un ne veut vraisemblablement pas que tu aies à sa cogne. Le mal, le gigas ou autre chose, quoi qu'il en soit, le mal sera contrarié de te voir à sa cogne. Oh, de ce fait, tu dois vraiment aller à sa cogne, surtout s'il ne le souhaite pas. Veux-tu entendre toute histoire à nouveau? Non. Sa cogne est de l'autre côté de l'océan, prends mon hélicoptère. J'ouvrirai la porte de mon héliport. Tranquille le mec, allez. Tiens, je donne un hélicoptère à des enfants. Il n'y a pas d'embrouille. Allez, ben. Oh. Wow. Impressionnant. De continuer. Salut. C'est ton destin. STC, il est temps de se dire au revoir. Fais attention à toi. Ok. Là, y'a rien. Non. Réponse, non. Eh bien, allons à l'hélicoptère. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bravo. Syndrome de Stockholm inversé. Ouais, c'est ça.
qu'est-ce qu'il y a sous. Ok. Oh. C'est qu'est-ce. Oh mais c'est Spooky. Salut. T'es qu'une triple buse, en plus t'arrives trop tard. Maintenant qu'on le tenir, il est devenu gentil, mais complètement inutile. Mais son hélicoptère va m'être utile. Allez, fais pas la tête, t'es né perdant et t'y resteras un perdant. Ouais, faut t'y faire. Oh, salaud. Insupportable connard. Je me déteste quand je fais sa voix. Ah ouais, bah ouais. J'avoue, c'est dur, quoi. Bon, mauvaise nouvelle. On va devoir traverser la nage. Symptôme de Lima. Syndrome. Eh oui. Ah, c'est toi qui fais celui-là. Et Spooky a pris l'hélicoptère. Ah, oh, j'espère qu'il va bien. Comment ça, j'espère qu'il va bien, mais t'as pété une durite, le vieux. Ils sont tous fous. Oh. Pour l'instant. Ok. Ah bah je vais le tourner mais ça va mieux. Pour aller à Sacogne, nous devons retourner à Trick. Oui, en tout cas je pense qu'il faut passer par là. Ok. Eh bien vous n'avez pas sommeil pendant que j'étais aux toilettes. Vous voulez aller à Trick le plus vite possible, on peut vous emmener là-bas dans notre bus. Je vais vous emmener en bus à l'extérieur du bâtiment. Non on peut se téléporter hein. On peut se téléporter. Moi en bus, moi j'aime bien le bus. Il y a un petit côté rustique du bus. Ah oui, avec un peu ces ouzes de Renaway Favre. Ouais. C'est un peu le nouveau poteau maintenant. Notre famille, non. Où je dois aller. C'est ça, ouais. Et là, cassons. C'était celle dans la place où on a pensé qu'on voulait aller. Quel niveau du coup? Nous on est niveau 41, elle est à 33, mais pour 36-9 ça va. Mais bon, elle reste quand même fort bas niveau, c'est un peu... Ouais, c'était gratuit quand même. Quelqu'un nous appelle au téléphone. Pour répondre. Ah oui. Salut, comment vas-tu? C'est Claude. Ah, oh, je pense que je suis un véritable génie. En fait, je sais que j'en suis un. Pourquoi donc? J'ai réussi à découvrir que... Quel était le mal primaire de l'humanité? Il va falloir se battre et vaincre cette chose. Pour y parvenir, nous devons mettre au point une machine, le disrupteur de phase. Mais avant, je dois trouver le scientifique errant, le docteur Andonut. Je risque d'être absent quelque temps. A plus tard, plaf! Mais c'est le mec, c'est le papa de Némi, non? Oui, qui habite dans l'endroit frisqué, là. Ouais, de Sakai. Ouais. Il veut un autographe parce qu'on est un ami des Runaway Five. Ok. Bon, ouais. Elle méritait pas de doublage. Non. Non, pas assez drôle, pas assez pertinent. Allez, ciao. On peut peut-être parler avec le papa de... Spooky, est-ce qu'il a des nouvelles choses à dire? Maintenant son fils s'est barré en hélicoptère. Ah, oui. Papa de Spooky, pas là. Il est parti. Là, on a bien nettoyé cette ville de tous les problèmes qu'elle avait. Ah bah ça, je comme les kidnappeurs d'enfants. Les taxis fous. Les taxis fous et par exemple la ville magique cachée derrière des toilettes. La vraie ville. Ouais. Qui était là à cause d'une statue maudite. Ouais. Sacré pataquès en tout cas. Très bien. Voilà. On a de nouveau la musique des Runaway Five. Oh mec là. C'est bon, vous pouvez monter. On monte par l'avant. Ouais. Plein gaz, direction Trick. Ouais. Youhou. Attention. Il a failli se faire écraser le mec. Ouais, là. Ouais. C'était chaud pour sa gueule, franchement. J'ai eu peur en manger. Hop. Et attention, regardez bien le gif, regardez bien. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais attention. Là, c'est à partir de maintenant. Et c'est maintenant. On fera passer sur ce pont un sacré paquet de fois. Hein. Mmh. C'est un pertinent du gif. Juste parce qu'il y a un pont dans le gif. Ouais, mais ouais, mais et dans ça. Le jeu. John Landis. Qui John Landis? Pas une idée? Aucune idée. Ok. Peut-être que je me suis dit, peut-être que tu savais et tu maîtrisais de pas savoir alors t'as décidé de pas. Ah non, je. Tu sais pas.
Donc j'ai rien. Éclaire-nous. Éclaire-nous de ta lumière. Oui. Ah là là. Ces petits trajets en voiture. Très pertinent. Pertinent, oui. Et hop. Y'a Claude là, non hop. C'est Claude. Non, je pense pas. Il va aller chercher. Non, mais pas Patrick, Claude, il a hop. Tout sonné. C'est bon, on y est. Je suis désolé de ne pas pouvoir en faire plus pour toi, mais souviens-toi, nous sommes à tes côtés. Quand tu auras les moments, disons, difficiles, tu n'auras qu'à penser Runaway 5 faisant leur numéro quelque part. En fait, pourquoi revenir par ici? T'as oublié un truc quelque part, sans doute. Inutile de répondre, ça nous ne regarde pas. À la prochaine et bonne chance. Bah, je sais pas pourquoi on vient ici. Hein, en fait. Mais si, parce qu'elle a dit que c'était par là qu'on devait passer pour aller à... Oui, oui, d'accord, mais en fait... Ah oui, en vérité, oui. Est-ce qu'elle va nous dire quelque la chose? La vraie non, vérité. Elle nous dit rien. Ah, ça c'est bien ça. Bah, je sais pas. Fin du jeu. Voilà. Ah, c'était pas mal. Je crois qu'on a fini le jeu, non là? Bah, je pense, ouais. Ok. Après, ceci dit, on va pas. Voilà, on est bientôt à la fin du stream. Oui. On a toujours pas trouvé de mélodie aujourd'hui. Ah, c'est ça. Ça me chagrine. On a beaucoup joué, on n'a pas une nouvelle mélodie. Genre, on en a toujours que 3 des mélodies. Ah, c'est bizarre. Sur un total de 8. Oui. Fin de la chanson. C'est frustrant. Ouais, ouais. Très bien, bah je sais pas. Cette ville était si sombre, mais grâce à toi, elle est éclatante. Ah oui. Oui, c'était la ville zombie ici. Eh oui. Le cirque. Allons jeter un petit œil au cirque. Non, t'as le guide toujours. C'est vrai. Ah, petite photo. Ah, ah, ah. À mon avis, c'est au cirque qu'on doit aller. Sinon, il n'y aurait pas une photo à ce moment. Vous avez laissé quelque chose dans cette ville. Photographie. Mais oui. La soucoupe volante. La soucoupe volante, mais oui, c'est... Ah, mais oui. On va chercher la soucoupe volante. Mais qu'est-ce... Mais où est-ce qu'elle est? C'était pas écrasée ou... Si, ouais. Elle s'est écrasée... Dans le cimetière. Dans le cimetière. On va au cimetière. Marzette. Hop. Et là, quelque part. Là, quelque part. Là. Ouais. Et là, voilà. T'as heureusement que Tipsou est là quand même. Oui, enfin c'est. Je me suis rappelé de la soucoupe quand même. Oui, oui, mais il nous a donné un indice. Oui. Oh. Nous avons repeint les morceaux du Skywalker. Mais je me demande bien comment on démarre ce machin. J'aimerais que vous restiez, mais si vous ne pouvez pas, tant pis. Merci pour tout. Ouais. Ah. Eh, j'ai trouvé ce qui ne va pas. C'est assez simple à réparer. Oui, pardon, c'est moi qui ai fait ce personnage. Non, 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 deux secondes. Je sais pas qui... Ah oui, c'est un ennemi, j'ai pas vu que c'était un ennemi. C'est un ennemi qui parlait, oui. Très bien. Et voilà. Oh, ça devrait être bon. Si nous nous montons là-dedans dans le Skywalker, il nous ramènera à Sakai. Docteur, rendre-le chez moi pour le modifier pour qu'il puisse voler jusqu'à Sakogne. S'il va, je veux dire, Dr. Andrunch n'est pas disponible, je vais devoir me débrouiller seul. Quoi qu'il en soit, il faut rejoindre le laboratoire à Sakai. Et c'est tout pour l'instant. Allez, Skywalker, c'est parti! Ah oui, mais en plus, à Sakai, il y avait justement Stone Age. Et là, il y a une mélodie à choper. Ah! Ah, mais oui, c'est vrai! Bah, je propose qu'on s'arrête là, de toute façon. Oui, on va s'arrêter là. Oui, 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 très très bien. On va voir le trajet. C'est vrai que. On a fait que répéter, mais malgré tout, merci de ce conseil. Oui. C'est très bien d'avoir des viewers attentifs. Ah oui, ces petites rêves dans le ciel, où elle descend et non, elle remonte un peu. Est-ce qu'on va revoir Forside? Le désert d'abord, oui, d'abord le désert. On se retape tout. Très beau. Non, il est très beau. Mm-hmm. Déjà qu'on n'explore pas vraiment d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, il y avait pas mal de cadeaux là, on a vu des cadeaux. Ouais, rien à foutre. Non, je m'en fous, mais. Mais oui, c'est vrai qu'on l'explore pas tant que ça. Mais tant mieux, parce qu'en même temps, avec les lingettes, machin, c'est pénible quand même. Mm. Oui, Oui. Pas l'endroit le plus marrant à explorer, c'est ça. Je veux dire, c'est pas nécessaire pour le jeu de l'explorer. Non, c'est pas ça, vrai, ouais. C'est ouais. Assez surprenant. Non, c'est plutôt les cavernes finalement. À nouveau, tout le trajet qu'on fait là, on pourrait le faire à pied. Hein.
Genre, on pourrait se téléporter direct à Sakai, quoi. Depuis le début, on aurait pu se descendre à Poolside et se téléporter à Sakai. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais non, on va avec les Grand Theft Auto jusqu'à Trick et là, on rechoppe le truc. Ouais, parce qu'après, il nous faut ça pour aller à Sakai, de toute façon. Ah, oui, c'est vrai. Donc, on pouvait pas. En fait, c'était plutôt bon. D'accord. Et là, bim. On retrouve le papa de Nemi. Plus connu sous le pseudonyme de. Merci d'avoir pris soin de mon mari l'autre jour. Kikro. Merci d'avoir pris soin de mon mari l'autre jour. Ah oui, il m'a enfin passé la bague au doigt. Ah mais oui, c'était. Ouais. C'est le petit singe qui a aidé Nemi. Ouais. Chéri, il ne reste pas ici la bouche ouverte, dis bonjour. Kriko ou A-A-O-O A-A-O. Donc Kikro ou A-A-O-Ki. Tu es passé par une grotte au nord de Stonehenge. Tu ne t'es pas demandé ce qu'elle cachait. Kikyo Kukru Ki. Je n'arrête pas d'y pencher. Keke Kike. Va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Kyoku. Kyoke ou Aa ou Kroku. Nous allons partir d'ici. Nous sommes toujours des jeunes mariés, tu sais. Au revoir. Allez, ciao. Bon, du coup. Oh wow, mon dieu. On va sauvegarder là, on va s'arrêter là, on sauvegarde. Oui. D'abord, on parle aux gens. Ouais, bah. Hop. Allez, parlons aux gens. Ouais. Ouga Bouga. Vas-y, fais les... Puis-je vous aider? Waka Ungawa. Que voulez-vous? Ah, ils vendent des trucs. Oh, rare. Une herbe mystique. Hyper bien, ils vendent des herbes mystiques. Ça, c'est bon, ça. Ça commence, on commence à parler. Wungu Gongare. Merci, à bientôt. Ah, vous m'avez surpris. Vous êtes salut, c'est ça? Nemi fait pipi au lit, mais à part ça, j'ai quelqu'un de bien. Prends soin de toi, ennemi. Comment tu vas savoir que pipi au lit, tu ne t'es pas occupé de lui? Le singe Bubule a dit qu'il y avait une grotte au nord de Stonehenge. J'en ai entendu parler il y a fort longtemps. Les locaux appellent cet endroit le cercle de pluie, mais je n'y suis jamais allé. Je me demande ce qu'il y a dans la grotte, je comprends. Pendant que tu inspecteras cet endroit, je travaillerai sur la rénovation du Skywalker. Ah oui, au fait, mon collaborateur Bigfoot déteste la violence. C'est quelqu'un de bien, il aime son prochain. Il parle souvent son Bréjus avec moi. Très bien. On va téléphoner à papa. Ouais, là où il y a un truc pour se soigner entièrement. Oui. Voilà, je dis Serge, c'est vrai que c'est pareil. Mais on sauvegarde, on s'arrête là tout. Oui, faisons. On ira se soigner, on n'oubliera pas. Non, nous n'oublierons pas. Eh bien voilà, les petits amis, le stream est arrivé à sa fin. Nous reviendrons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Oui. Merci d'être resté jusqu'au bout. We're just about to leave now, and thank you for your presence. Thank you for being here every week. Happy birthday, Unproductive Cosplay. Yeah, happy birthday again. Have a nice day tomorrow. Have a nice year, and have a nice life. Oh my god. Hey, bonne soirée à tout le monde. Bonne journée demain, bonne vie. Et à la semaine prochaine! À la semaine prochaine pour une nouvelle session de Hardcore! See you next week! Allez, tchuss! Ciao! Merci à vous! Merci à vous!